La saison pour moi, ça se passe pas super bien parce que j'étais blessé à l'entraînement à la quatrième journée, donc j'ai loupé pas mal de matchs. Bon, la saison pour l'équipe, ça a commencé un peu compliqué. C'est par rapport à l'année dernière qui était assez réussie. On était attendu partout, donc tous les matchs ils étaient vraiment difficiles. Donc bon, en fait, on a obtenu les victoires chez nous. Donc pour l'instant, on est invaincu à domicile, donc c'est l'essentiel. Et après, bon, en progressant, en cours de saison, il faut qu'on prenne quelqu'un à l'extérieur, quoi. Il faut le faire. En fait, en Russie, c'est la première Coupe du Monde qui participe. Beaucoup de générations de rugbyman rêvaient de faire ça. En fait, on a toujours passé à côté de ce grand fait du rugby. Et là, vraiment, pour tous les amateurs du rugby russe, c'est le temps référence, quoi. Donc, c'est ça, c'est pour les amateurs, c'est pour les joueurs, les jeunes, les joueurs professionnels. C'est la grosse réussite. J'espère que ça va donner un bon coup pour vraiment développer le rugby chez nous. J'espère que ça va augmenter le niveau de transmission à la télé pour vraiment que les gens sachent ce que c'est le rugby, quoi. Parce que le pays est vraiment grand. Et bon, même pas la moitié qui vont, mais qu'est-ce que c'est le rugby? Au rugby, bien sûr que c'est pas comme au foot, c'est difficile de rivaliser avec des grosses équipes, quoi. Par exemple, nous, on a dans le groupe Australie, Irlande, Italie, on sait qu'on va pas gagner, donc ça peut décevoir un peu les amateurs, quoi, les amateurs du sport en général, quoi. Mais la participation, c'est vraiment pour le développement, pour montrer ce qu'on vaut, quoi. Parce que bon, on sait qu'on peut rivaliser avec les États-Unis dans notre poule. Après, les autres, il faut montrer le mieux possible, quoi. Il faut montrer de bons jeux, le bon jeu, pas peut-être pas gagner, mais résister bien. Yeah, this song goes out to all the displays.